Ça y est, le dressing est arrivé, ceux qui sont là-bas. C'est quand même assez lourd, je crois que ça fait 80 kg le truc. Mon dieu. Là, qui a commencé le dressing, je pensais pas que ça allait être aussi grand en vrai. Donc il en manque une quatrième. Juste le problème, c'est que vous voyez avec la plante, il manque 1 cm. On va dire que c'est un peu une galère. Le dernier qui reste, il va devoir couper. Mais c'est pas si simple que ça en vrai. Parce que les trous que vous voyez ici, il va devoir les décaler. Waouh, j'ai laissé Basse travailler toute la journée et regardez, ça a grave avancé, je suis trop contente. Là, t'es en train de préparer pour faire justement là-bas. Je vais enlever ça. Ouais, ça fait 3 cm quoi. Et comme ça, je vais reporter tout là. C'est bien. On a prévu de faire des machines à fond avant de tout ranger. Et de refaire peut-être un tri aussi en même temps, je vais en profiter je pense. Moi, pour aller chercher une selle déjà. Mais toi, j'imagine même pas. Ouais, après tu peux le faire passer comme ça. Et là, on les a pas encore ouverts, c'est pour les bijoux. J'ai pris ça pour les bagues. Basse, il n'y a pas pris les mêmes que moi, c'est plus pour les montres, etc. Toi, je pense. Ouais, les ceintures et tout. Celui-là, on a pris le même, je crois. Parce que pour les colliers, je me suis dit que ça pouvait être bien. Il est en train de tirer ses traits, comme ça il pourra couper ce qui dépasse. C'est pour mettre le fond. J'espère qu'elle rentre. T'imagines, elle rentre pas, elle peut tout démonter. Ah non, j'imagine pas alors. Là, c'est le moment où il faut pas couper, genre. C'est en mode précision. Tu te dis, sinon, je suis dans la merde. En fait, ça, on comprend de ouf, ça passe pas lourd et j'ai peur de le péter. Oula. Ouais, ça se fait facilement. Bah, t'as l'air d'avoir bien géré ça. Ça match. Hier, Basti a terminé tard, du coup, flemme de vous montrer. Bon, faites pas attention par contre, hein. Regardez, je me suis attrapé un coup de soleil, je suis en train de peler quelque chose de bien, du coup, mon visage, il est pas uniforme, on va dire. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même un dressing. Regardez, il a mis la quatrième, ça y est, je suis trop contente. Basti a déjà mis les gros manteaux, mais en vrai de vrai, on va les mettre à l'entrée. C'est juste que là, pour l'instant, en bas, c'est pas fait. Les trois valises, elles rentrent, c'est impeccable. Bon, d'ailleurs, là, je vais me sortir de la douche et je vous avouerai que je me suis habillée comme ça en 2-2. J'ai pas mis mes beaux pyjamas parce que quand tu regardes bien, je brille de partout. J'ai mis du beurre de karité à fond parce que regardez, j'ai attrapé des plaques horribles avec le soleil en plus de mon front, sinon ça serait pas drôle. Et il y a des personnes qui me disent que c'est genre un champignon, d'autres personnes qui me disent que tout simplement c'est un manque de mélanine, et d'autres qui me disent que c'est une réaction due au coup de soleil, que ça va partir progressivement. Donc j'avoue que ça me fait un petit peu peur, je ne sais plus trop quoi penser, mais bon, je me dis que je laisse faire le temps, j'hydrate bien, je suis un pot d'huile, mais j'évite d'y penser, j'évite d'y toucher. Je suis en train de faire mon tri, ça c'est le carton que j'ai vidé, tout ça je le garde pas. Ça fait 3 fois que je fais un tri, à chaque fois, genre tous les 2 mois j'ai l'impression. Dans le nord j'avais fait un tri, quand on est arrivé j'ai refait un tri, et là, ben 3e fois. Donc en fait j'ai toujours des trucs à enlever. Mes goûts ils changent tout le temps et des fois je me dis ouais mais est-ce que je le garderai pas au cas où. Mais vas-y, sinon il va être blindé de n'importe quoi. Là, Bastien il a fait son tri. On va devoir faire tout ça de lessive. Bon, là, on va passer au pull. Celui-ci, à chaque fois, je me tâte. Est-ce que je le garde ou pas? Orange. J'aime bien la couleur. Et en même temps, flemme de me dire je ressemble à une citrouille. J'ai envie d'être tout le temps en été. Ouais, moi aussi. Ah, ça, j'aime bien. C'est un petit mot tout simple. Ça aussi, ouais, c'est un petit body marron. Je trouve que ça, c'est un mood, tu sais, tu vas à Londres ou quoi. Genre. Ah ouais, c'est vrai. Celui-ci, bah, je l'aimais bien, mais on l'a jamais fait. En plus, c'est mon cadeau. Ouais, Bast, il me l'avait acheté en fait l'année dernière. On avait déjà pris les mesures, etc. Mais on l'a jamais fait. Ça fait un an qu'il est comme ça. En fait, j'ai jamais mis une seule fois. Peut-être t'as grandi depuis. Ah, j'aimerais trop. Vas-y, balance. Alors, celle-ci, c'est sûr, je la garde. C'est une veste tailleur noire comme ça. Un peu oversize, j'adore. Ça, trop mimi. C'était le meet-up et ce que je vous avais rencontré. Oh, ça, je sais pas. Allez. Ah non, c'est dans le blanc. C'est là-bas. Ouais. Tout fait par couleur, hein, bien sûr. Là, le blanc, il faut vraiment tester le truc. Ouais, on va tester une technique pour voir si ça s'éclaircit. On est venu s'acheter un défroisseur. Il était temps parce que là, avec toutes les lessives que je suis en train de faire, ça urge. On a vu celui-ci, le Steam One. En plus, au lieu de 249, il y a 138. Ça ressemble un peu à ce délire-là. Et il s'abaisse également comme ça, donc ça c'est bien, c'est pratique pour mettre dans le dressing. Parce que de base, on aimerait bien le mettre côté valise, histoire qu'il ait sa place et qu'il traîne pas comme ça dans la chambre. Moi j'aime pas ça. Content? Ah, ça va me changer la vie, gars, je suis tout froissé. On rigole, mais c'est vrai que moi, mon pantalon, je vais vous montrer, ouais, attendez, c'est horrible. J'ai tous les plis et tout. Ouais, c'est vrai, attends. Rien que ça. Horrible, même là. Et encore? Même là. En bas, là. Comme je l'ai mis une heure, là, ça va.
Mais sinon, quand tu me mets et que je sors de la maison, c'est horrible. Allez, on va en casser le froid. Ça y est, nos deux grands miroirs, ils sont arrivés, trop contentes. En fait, il y a canapé aussi. Ouais, j'ai l'impression parce qu'il y a marqué tissu beige. Bon, du coup, on a eu un miroir finalement sur les deux. C'est le or, celui-ci. On voit pas trop bien là pour l'instant parce qu'il est dans ça. Et c'est pour mettre dans la pièce juste là. Attendez, je vous montre. Genre celle-ci, on va l'enlever et on va le mettre au fond pour avoir plus de profondeur. Et celui-ci, on va l'enlever, je ne sais où. Et on va mettre une espèce de petite étagère, une petite commode. Comme ça, on aura un petit espace pour nous et tout. Ça sera bien. Et pour le petit canapé d'appoint, on a pris celui-ci. Donc vous voyez, niveau matière, il est chiné. C'était une nouveauté. Et on a sauté sur l'occasion parce qu'il ne l'avait pas il y a encore 2 semaines. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il est dépliable. En gros, ça fait comme une moquette quand on a nos parents ou nos amis qui viennent, on va acheter un matelas pour qu'ils puissent dormir dessus. Et quand ils sont pas là, nous, on a un truc plutôt esthétique, pas trop grand et qui se met dans le coin. De toute façon, on va le monter après. Parce qu'il y a tant son père pour pouvoir prendre les escaliers avec. Parce qu'il fait quand même... son poids, l'air de rien, heureusement, sinon ce serait un petit peu trop léger, peut-être. Ouais, ça serait pas normal. En fait, tu serais pas bien dessus, quoi. Donc pour l'instant, le miroir, on l'a mis ici, mais je vous explique. On hésite à le mettre au fond, on a testé, et en fait, ce qui est cool, c'est que ça donne vraiment de la profondeur. On trouve ça génial. Mais il y a un petit problème. C'est qu'en gros, là, de base, tu vois, on aimerait mettre une étagère. D'ailleurs, le miroir, t'as vu comment il est grand. J'adore. Je suis fan pour faire genre des selfies, vous montrer mes outfits et tout. Enfin bref. Attendez, je m'égare. Donc là, on aimerait mettre de base une étagère. C'est ce que je vous disais. Mais quand on ouvre, ben, on a peur que ça tape dedans. Et donc, ben, ça défonce un petit peu la porte. Donc si vraiment on trouve pas de solution à ce problème, ce qu'on s'était dit, sinon, c'est de fermer ici. Bien évidemment, l'étagère, là, elle va partir. Elle est jolie, mais je déteste, vous savez, quand on voit les habits comme ça, j'ai l'impression que ça fait peur d'elle, même quand c'est plié, il faut que ça soit comme magasin. Moi, j'ai pas le temps de faire comme magasin, c'est pas possible. Et celui-ci, on essayerait de l'accrocher, mais comme il est très lourd, l'air de rien, je crois, il fait 30 kg, si je dis pas n'importe quoi. Bon, on n'a pas envie que ça arrache non plus le placo. À voir. Bon, en tout cas, on va aller à l'étage. Le père de Bastien, il est venu l'aider. Du coup, ils ont pu monter le fameux clic-clac. Et ça fait très joli. Là, vous allez voir, ça a avancé quand même. Là, il faut que je le range après avec vous. D'ailleurs, je vais aller acheter, vous savez, des cintres parce que j'en ai pas assez. Donc ici, ça sera le deuxième qu'ils ont cassé dans le transport. On a su qu'ils l'avaient cassé, donc... ils étaient vraiment pas contents, Maison du Monde. Ils nous ont dit qu'ils allaient changer de transporteur, que ça serait pas le même, etc. Comme celui du bas, beaucoup plus grand, du coup, beaucoup plus fin. Et le contour, cette fois-ci, noir, vu que moi, j'ai pris or en bas. Et ben Bastien, il aimait bien noir pour le haut. En plus, ça match, vous savez, avec les fenêtres. Voilà, ça fait un peu moitié-moitié. Et le clic-clac, voilà ce que ça donne. Donc, en gros, t'as juste à... Je vais pas le faire là, parce que sinon, je galérerai. En plus, avec mes ongles, je laisse Bastien faire. Mais t'as juste à tirer... à droite et tirer à gauche et ça se déplie tranquillou. Comme on l'a mis un peu dans le renfoncement, et ben il gêne pas du tout, on a énormément de place. Esthétiquement, il est plutôt joli, ça reste dans nos têtes et quand on a des invités, que ce soit les parents, les amis, ben on a de quoi les accueillir. On va quand même acheter un surmatelas histoire qu'il soit vraiment bien. Comme ça reste un petit canapé d'appoint, on a envie d'améliorer leur confort, genre qu'ils disent pas va plus chez Safo et Bastien, t'imagines. Non mais de base, en fait, on voulait mettre carrément un lit que t'attaches, c'est comme une armoire. Donc visuellement, tu t'en rends pas compte. Mais le problème, c'est que comme derrière, c'est du placo, et ben, le truc, on a lu les commentaires, en fait, ça s'arrache. C'est un peu la même histoire que si tu mets un miroir trop lourd. Je me dis, pourquoi ne pas mettre un tapis rond? On pourrait habiller un petit peu la pièce. Les cintres, c'est ok. On en a pris des blanches à Action. On a trouvé que ça. J'étais dégoûtée. On en a fait plusieurs et impossible. Mais par contre, j'arrive même pas à avancer. C'est tellement le bordel. J'ai tout foutu à terre comme ça. J'ai une de ces flemmes. Bah, en plus, je suis rentrée super tard finalement. Il doit être au moins 19h30. Je vais en avoir pour je ne sais combien de temps. Je crois que je vais commencer déjà à avoir rangé les valises. Avec le Steam One, je trouve que c'est pratique au moins. C'est pour ça qu'on a rien mis au niveau des étagères. Parce que ça, ça traîne toujours. Tu sais jamais où les mettre. Il y en a 4. Fleurs de lavande. J'en aurais pas assez pour tous les tiroirs. Mais ça sera déjà ça. D'ailleurs, je vais passer un petit coup. C'est vrai que j'avais oublié quand même. Regardez, là, il y a de la poussière. En vrai, non, c'est même pas de la poussière. Vous savez, c'est quand il a coupé et fixé. Dites-vous, j'ai dû faire au moins 15 lessives avant de pouvoir ranger aujourd'hui. Donc je vous le dis, ça, ça va pas le faire. Oh, heureusement que j'ai pas mis mes affaires dedans. Tout ce travail gâché en 2 minutes. Vu que j'ai pas beaucoup de scènes blancs, pour l'instant je les mets que d'un côté. Oh, mon dieu, ouf, ça va y a rien. Je me suis dit c'est vraiment une journée de merde, je viens de perdre un ongle. Et j'aurais pété la vitre.
Et du coup, les marrons, je vais les mettre ben, de l'autre côté. Je vais déjà approcher tout ce qui est pull et chemise. J'ai bien avancé, pour l'instant ça donne ça. Bastien il est venu m'aider un petit peu pour savoir ce qu'il gardait. Là-bas j'ai mis les grosses vestes, mais ça, ça va bouger parce qu'on a un dressing comme je vous ai dit en bas. Donc là il veut mettre tous ses t-shirts. Alors par contre ça, c'est trop bien. En fait tu peux mettre deux pantalons par barre. Je pensais pas qu'on allait pouvoir en mettre deux en vrai. Niveau organisation, au final j'ai mis les petits hauts avec les shorts et les petites robes. J'en ai pas énormément, le plus gros il est en bas. Comme là c'est l'été, j'utilise beaucoup. Là c'est les pulls, enfin les pulls mais vraiment très fins. Les hauts à manches longues. Celui-ci il est vide. Ici culotte, chaussettes, collant, pyjama. Là j'ai tout ce qu'il faut pour aller au sport. Hein. Si j'y vais pas, je comprends pas. Regarde quand je le lance, il se ferme même pas tellement il est blindé. Et ici j'ai mis une partie de mes pantalons et j'en ai mis quelques-uns ici également. Parce qu'en vrai les pantalons c'est tellement encombrant que t'as vite plus de place. Ce qui me reste à faire maintenant c'est les sacs. Bon j'en ai pas énorme, j'ai juste tout ça. Non mais en vrai par rapport à d'autres filles, je trouve pas que ça soit la folie non plus hein. Ça je vais les ranger à l'intérieur pour pas que ça fasse moche. Et je me dis que l'idéal ça serait de les mettre tout en haut. Mais je suis très petite. Mais si je commence à si je me dis que j'arrive déjà pas à en mettre un, ça va donner quoi quand je vais vouloir sortir en 2D et prendre un sac? Oh là là, il va falloir que je m'achète un escabeau, c'est pas possible. Tout ce qui est petit est mignon, mais par contre c'est pas pratique, je peux vous le dire. J'ai réussi à en mettre un plus ou moins convenablement. J'ai fait appel à Bastien, c'est plus simple. Mais en fait, on a vu ensemble, là, il va me mettre une étagère, ça sera beaucoup plus simple. Ça va faire stylé, mais... Parce que là, je vais galérer à chaque fois. Enfin, c'est pas des Chanel, mais... Non. Il est beau, le petit rose. Là, ça donne de la couleur. Bien, et ça y est, je vais pouvoir déballer pour installer les bijoux. Je suis trop contente. Un petit peu d'ASMR. J'ai été les chercher en bas, ça c'est tous les bijoux qu'on doit ranger, j'avais déjà fait un sacré tri, vous savez, en déménageant. Celle-ci, je vais la garder, elle est trop jolie, c'était un cadeau de ma belle-mère. Et en fait, oh mince, mon coquillage. C'est une boîte comme ça qu'elle avait achetée chez H&M pour ranger ses bijoux. Mais alors là, j'en ai tellement que c'est plus comme bordel qu'autre chose. Celui-ci, on va le mettre juste à droite. Waouh, c'est bien serré. Hein. On le met peut-être comme ça. Je me suis trouvé une nouvelle passion, ranger des bagues. Je trouve que c'est trop satisfaisant. Celles qui rentraient pas, je les ai mis sur le côté. Ici, je vais mettre, je pense, les boucles d'oreilles. Dans cette rangée-là, je vais mettre tous les piercings que j'ai achetés. Ici, j'ai commencé par mettre les petits colliers, tu sais, avec des chaînes assez fines qui s'en mêlent rapidement. Et au fond, je vais mettre les gros bijoux. Et voilà ce que ça donne. C'est officiellement fini. J'aurai plus de problème de nœuds avec mes petits colliers. J'avoue que je ne mettais jamais, étant donné que je devais passer des heures. D'ailleurs, regardez ce que j'ai là. Je me suis brûlée avec... c'est pas le lisseur, c'est le... Comment ça s'appelle? D'ailleurs, là, brûlée pour ça, regardez, ça a même pas tenu. De quoi faire des ondulations. Vous allez trouver le nom pour moi parce que là j'y arrive plus. Il est trop tard et l'air de rien, tout ça, ça m'a pris la journée à faire.